Nous allons continuer, regard croisé. On va parler maintenant du Togo et on va évoquer cette triste nouvelle, le décès de Jimmy Hope, le grand homme du rock africain. Jimmy Hope s'en est allé ce jour. Nous allons, une fois n'est pas coutume, regarder dans cette illustration visuelle et sonore qui retrace un peu la vie du personnage avant de revenir pour en parler. Bluesman, rocker, peintre, sculpteur, Jimmy Hope est l'un des rares artistes les plus complets. Une carrière de 45 ans ponctuée par des sorties de disques, des titres devenus entièrement cultes. J'ai quand même su mise à écouter Jimi Hendrix et j'ai senti que je n'étais pas d'ici, mais que je venais de quelque part parce qu'un jour, j'ai eu la chance de sentir, j'étais dans un avion à Philadelphie et j'avais senti que j'étais chez moi. C'est au début des années 70 que les Togolais découvrent un grand chanteur d'un autre style à la télévision nationale. À l'époque, le rocker décide de faire route tout seul après une belle expérience vécue avec son mythique groupe Acid Rock. Véritable maître de la scène musicale, Jimmy Hope a en quelques années réussi à conquérir le monde entier. Entre 90 et au début des années 2000, il enchaîne des prestations live dans les grandes capitales et villes africaines, européennes, américaines et asiatiques. Sa plus grande qualité, faire chanter et mouvoir les foules au rythme du blues, du soul et du rock. Partout où il passe, Jimmy Hope est avant tout une star, un modèle qui inspire plusieurs générations. Dans les rues de Lomé, il ne passe jamais inaperçu. À 60 ans, il côtoie toujours les plus jeunes. En 2017, comme pour marquer les esprits, il organise en plein cœur du populaire carrefour des Cons à Lomé un spectacle, son dernier plus grand show au public, qui retrace ses 12 albums, le dernier, Blues for Hope, sorti en 2012. Malgré le succès, des moments difficiles, Jimmy Hope en a connu. Le plus dur se produit en 2016. Le rocker perd son fils dans un accident de circulation dans la banlieue de Lille le 19 juillet. Preston Hope n'avait que 28 ans. Son père ne s'en sortira jamais de cette douloureuse expérience, malgré qu'il cache ses émotions sous sa fidèle grosse paire de lunettes noires. 3 ans après son fils, Jimmy Hope meurt aussi à Paris ce lundi 4 août 2019. Ses plus grands fans ont tout de même de quoi garder pendant longtemps en mémoire leur idole. Au-delà de la chanson et de la sculpture, ses peintures et mosaïques aux belles couleurs dans les grands carrefours et lieux publics à Lomé sont également signées l'artiste Jimmy Hope. J'espère qu'il prendra la relève et qu'il sera capable de dire ce que je n'ai pas pu dire. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai les larmes aux yeux. Dimas Dikodo, c'est simplement un monument qui est tombé là. Un monument s'est écroulé, en effet. Un monument artistique. Heureusement que ces empreintes sont là. Quand je lui rendais l'hommage sur la toile, je disais qu'un véritable monument vient de s'écrouler. Mais heureusement que ces empreintes artistiques seront là jusqu'à la fin du monde. On attendra toujours sa voix. On l'évoquera toujours dans la culture togolaise. Et les fresques qu'il a laissées au plus haut niveau, dans des maisons, dans des places publiques, jusqu'à la présidence, je pense que ce serait là pour parler de lui. Jimmy, je peux dire que je viens de perdre un ami personnel. C'est pas pour imiter obligatoirement le chef de l'État,
Ça, c'est vrai que Jimmy, c'est un ami de tout le monde. Il est ami à tout le monde. Moi, je me rappelle qu'il a fait une chanson avec mon nom. À la fin de la musique, 2007, je l'avais reçu, caché sur une autre télé. Il a à la fin fait une chanson avec mon nom. C'était très beau. C'était un grand artiste. C'est Jimmy qui m'a fait acheter ma première guitare et qui m'a appris à tenir ça, quand bien même je ne suis pas très excellent dedans ou je ne suis pas musicien. Il m'a invité, j'étais parti ensemble avec lui à Cotonou, où il a fait une prestation au Centre culturel français de Cotonou. Quand il a perdu son fils, j'ai pris l'avion ensemble avec lui, puisque je voyageais le jour-là. On était dans l'avion de Lomé à Paris, il allait à Lille. On est resté debout en discutant jusqu'à l'atterrissage, jusqu'à ce qu'on annonce l'atterrissage, on est parti s'asseoir. Et il y a de cela quelques mois, à peine 3 mois, si je m'en souviens, et on s'est rencontrés au niveau de l'entrée de ma maison là-bas à Chel Moukafou. On était restés là-bas plus de 2 heures. En discutant, je veux pas dire là où on se rencontre en ami, mais je viens de perdre vraiment un grand ami. Et malheureusement pour moi, ce n'est pas uniquement le seul que j'ai perdu. J'ai perdu aussi un autre grand ami dans ce même week-end. Ce dimanche matin, j'ai perdu Monsieur Alphonse Kotchi, qui est un défenseur des droits de l'homme. Il était membre de l'ATD-PDH. Et ce matin, nous apprenons aussi la mort de notre doyen, papa Réduteur, de Tikofia Metoyana. Je pense que c'est un week-end noir pour nous. C'est vraiment catastrophique. Tout ce que nous pouvons dire, que leurs âmes reposent en paix. Ambroise Pondjo, le chef de l'État a parlé d'un ami personnel. C'est vrai que Jimmy Hope, même s'il ne vous connaissait pas, il avait ce don de tisser rapidement ce lien avec tout le monde et de discuter avec vous comme si vous étiez amis depuis de longues dates. Et puis, il aimait beaucoup la musique, il aimait beaucoup l'art également. Oui, d'abord, je m'incline devant la mémoire de Jimmy Senaya, je le connais ce nom, puisque j'ai fait avec ses petits frères, ses neveux à Nikonakwe là-bas. Senaya senior, on a fait ensemble Nikonakwe, Boka, et le petit frère, pas lui, il était, je le connaissais pratiquement pas. On allait chez eux à la maison à Nikonakwe là-bas. Et Jimmy, je crois que c'est un tout, il est un artiste plein. C'est un tout. Avec son l'harmonica, il est terrible. C'est-à-dire que c'est un don. Un artiste complet. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ceux-là qui pensent, c'est les Français qui nous ont appris ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que quand tu vas à l'école, tu as le doctorat, tout ça, là, tu es zéro. Ça, tu n'as rien. C'est-à-dire que Dieu donne le talent à chaque personne. Que tu sois celui-là le plus diplômé ou que tu n'aies jamais mis pied à l'école. Quand Dieu te donne une chose, si tu sais le mettre en exergue, en valeur, tu es mieux loti que ceux qui ont le diplôme. C'est ça, ce monsieur. Et lui, il a pris tout, il a fait un peu l'école. Mais Jimmy s'en fout de l'école. Jimmy, son problème, c'est être artiste. Là où je l'adule le plus, c'est deux talents. Prendre l'harmonica, la guitare et tout. Ça, c'est à part. Maintenant, c'est l'art plastique. C'est le dessin. Il est terrible. Il est terrible. Je lui rends un grand hommage. Et je regrette qu'il s'en est allé à l'âge de 60 ans, alors qu'il aurait pu atteindre les 90 avec tout ce talent-là. Jimmy a traversé l'Afrique. Il a traversé le monde. Les États-Unis. Il a traversé le monde. Le monde. C'est pour dire qu'il a fait. Il a déposé pratiquement sa valise aux États-Unis avec dans des clubs de jazz, de soul. Dans les grandes discothèques. Rock'n'roll. Donc aujourd'hui, je crois que le Togo a perdu. Et j'aime son humilité. Jimmy ne s'est jamais présenté comme le roi de l'artiste togolais, comme certains le font, roi de toi, quoi. Jimmy, lui, son problème, c'est de vivre ce qu'il a comme talent en lui en matière de musique d'artiste
dans tout son sens. Mmh. Et il a mis en valeur. Avant de donner la parole à Georges Hérault sur le même sujet, on va marquer la pause et on revient tout de suite après.